Hey, salut mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo concernant la mise à jour prochaine et gratuite des Sims 4. L'équipe a fait un live, un streaming sur Twitch aujourd'hui à 20h, le 2 octobre, et pour nous annoncer deux très grosses choses qui vont être donc dans la prochaine mise à jour d'octobre. On ne sait pas encore quelle date parce qu'ils ont un peu de retard et ils préfèrent faire quelque chose que ce soit prêt et très bien. Ils ont encore beaucoup de choses à travailler là-dessus. Mais ils vont le lancer sous peu, donc dans les semaines à venir en tout cas. Et premièrement, c'est une première carrière. C'est une nouvelle carrière, je veux dire, c'est la carrière de la mode que beaucoup de monde demandait. C'est la carrière de possible de styliste ou de style influenceur plutôt, comme pour l'instant c'est appelé. Donc vous voyez, pour l'instant c'est 18 sims de l'heure, de 9h à 17h tous les jours, sauf le week-end. Avec, voilà, on pourra soit aller soit en styliste, soit en trend center pour le niveau 6. Et après, à mon avis, c'est plutôt bien payé et c'est plutôt sympa. On va voir du coup quelques fonctionnalités qu'il y a en faisant cette carrière. Donc déjà, dans le menu amical, on peut avoir le discuss outfit, donc parler de la tenue des personnes. On peut aussi, via un ordinateur, écrire un article sur la mode. Un genre de blogueur mode, tout ça. Et nouveauté aussi, c'est la palette de dessins qu'on peut emmener partout. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin du chevalet de peinture pour aller dans un parc ou à où que ce soit. On a ça dans notre inventaire et notre sim pourra dessiner, oui, tout ce qu'il voudra à partir d'une photo de référence. Vous savez quand même, il y a ça. Donc là, on voit qu'il dessine sur sa tablette graphique. Et quand il aura fini, en fait, ça créera un petit tableau dans son inventaire que l'on pourra accrocher au mur comme n'importe quoi. Oui, comme une peinture, sauf que au lieu de trouver dans le chevalet, elle va directement dans l'inventaire. Donc ça, c'est génial. Donc là, il dessine un petit lama, vu que lui, il débute au niveau du stylisme, tout ça, au niveau du style, tout simplement. Donc vous voyez, un super tableau de lama qu'il va accrocher au mur. Voilà, magnifique. Et ensuite, on va passer à la fille qui, elle, a le niveau 5 ou 6, je crois, qui est déjà un peu plus avancée dans la carrière. D'ailleurs, j'ai fait un petit zoom dessus, vous allez voir. Voilà, elle gagne 220 simflous de l'heure et elle travaille de 11h à 18h par jour. Donc, c'est plutôt pas mal, quand même. C'est une bonne carrière qui va bien rapporter. Elle a toutes les fonctionnalités sur la tablette graphique puisqu'elle est déjà plus avancée en style et dans la carrière. Alors que lui, vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de base. Et elle peut faire aussi des dessins qui seront beaucoup plus beaux, beaucoup plus travaillés. Et pareil, ça va devenir des toiles qu'on pourra accrocher chez nous, donc dans les maisons. Vous allez voir qu'une fois qu'elle va finir, la toile est vraiment magnifique. Et comme ils le disent, c'est vraiment, ça crée le degré de différence entre les deux niveaux de dessin qui sont vraiment rien à voir. Il a un peu de mal à choper. Attention, voilà, magnifique dessin en gris, tendance de gris, quoi. Magnifique. Et la partie que moi je préfère, quand à ce stade-là, plus avancé de la carrière, elle pourra relooker les Sims. On pourra relooker tous nos PNJ. Et là, elle sort les mesures et tout ça sans mettre ruban. Elle prend les mesures du gars. Et puis, elle va commencer à regarder. Ouh, alors, quelle couleur te va le mieux? Le rouge, est-ce que le rouge te va bien? Et après, ça ouvre directement le créer un Sim. Et ça, c'est juste dingue. Moi, je suis ravie. Du coup, après, vous pourrez vraiment les rhabiller comme vous voulez. Si vous trouvez vraiment dégueulasse, mal habillé, tout ça, genre vous avez le cousin de votre famille qui passe et qui est dégueulasse, bah vous relookez. Et puis comme ça, il dit, c'est mieux. Non, mais franchement, moi, je sens que je vais m'éclater si j'applique cette carrière. Ça va être vraiment très sympa. Et voilà, après, le mec, bah, il est relooké plus ou moins à votre goût. Vous pouvez en faire des bananes, des trucs muges dans tous les sens, vous pouvez tous s'habiller pareil, vous pouvez faire des clowns, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça peut être très flippant dans une ville de clowns, mais ça pourrait être très drôle. Et la chose qui m'a fait bondir au plafond, le mec au calme qui est venu s'installer pour faire quoi? Le modelage de terrain, bon sang, bonsoir, ça fait tellement longtemps que j'en rêvais, je croyais que ce serait pas possible sur les Sims 4. Et le gars, oui là, c'est bon, on va pouvoir modeler les terrains comme dans les Sims 3. C'est juste le pied intégral, les constructions vont être revues de fond en comble, ça va être majestueux, ça va être dingue, ça va être le pied. J'ai tellement hâte de construire en modelant le terrain. Ça, c'était vraiment un truc de dingue que j'adorais dans les Sims 4, Sims 3, pardon, même si c'était très compliqué, j'étais pas forcément la meilleure. Mais là, oh my god, je vais passer des heures, des milliers d'heures, je pense, encore une fois, sur ce jeu.
Et voilà, donc ce sera très bientôt pour une mise à jour gratuite donc pour les Sims 4. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner si l'épisode vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous. Salut!